Mais vu qu'on a raté l'intro, normalement je n'ai pas du rail comme ça gratuitement, donc je ne suis pas algérien. Ça va les Tunisiens? Ouais. C'est un Tunisien qui m'a beaucoup inspiré grâce à son combat, monsieur Bourguiba. Voilà, donc c'est bon, j'ai bon là. Normalement, il y a une révolution. Une. Des tours, on coupe des têtes, on... Ah, les riches dehors, tout ça, on fait ça, 3 semaines. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, le peuple, il croit, pendant quelques temps, qu'il dirige. Pas du tout. Là, il y a un mec qui va devenir empereur. Ça va arriver bientôt. Il va dire, je suis avec vous, en fait, non. Et après, Inch'Allah, vous allez gagner une coupe du monde. Voilà, c'est ça qui va. C'est ça le chef de famille chez les Arabes. C'est le plus fort à la bagarre. Voilà, c'est... Comme vous l'avez vu en France, beaucoup de choses se passent malheureusement en ce moment. Malheureusement, vous avez connu beaucoup d'attentats. Mais j'ai cru lire ce matin dans les journaux, parce que j'ai étudié avant de venir, que les touristes français revenaient. C'est vrai ça? Donc continuez à faire des séjours à 15 euros. Vraiment? François Hollande. Moi, il me rappelle un film avec Pierre Richard, La Chèvre. Hey, dès que tu touches un truc, ça devient de la merde. C'est incroyable ce niveau de poisse. Des attentats, il a fait déborder la Seine. Il y a des gens dans le métissage ce soir? Levez la main, soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des gens des couples mixtes? Allume la salle, allume. Les cartes là, faut voir. Là-bas, c'est quoi? Mon mari, il est pas là. Ah! Je suis très très fier d'être afro-européen. Je suis l'un de vos habitants. Hassan II avait dit de la Tunisie que la Tunisie vivrait tant qu'il y aurait un Tunisien sur terre. Sachez, je vous le dis très très fort, de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez déclenché quelque chose de très puissant en nous, les enfants immigrés, car nous avons vu nos cousins de l'autre côté se battre pour des droits, vous êtes battus, et personne ne vous a aidé à vous dire que de tout mon cœur, je ne me suis jamais senti aussi tunisien de ma vie. Merci beaucoup. Les thématiques du spectacle avaient un potentiel ici, donc du moment que ça a rigolé, tant mieux. Mon pays est comme le vôtre, mais on en veut plus à mon pays, la France, parce qu'elle prétend être une démocratie, mais aujourd'hui... La réalité, c'est que la France a beaucoup de problèmes avec son histoire. Moi, j'ai pas de problème avec la politique française. Je pense plus la politique française qui a des problèmes avec des gens comme moi. J'avais envie de venir, mais je voulais pas venir par n'importe qui, par n'importe quel festival. Et l'autre fille est un humoriste que j'estime beaucoup, qui a un vrai combat, qui a quelqu'un que j'estime. Et voilà, les artistes qui s'engagent, en général, on essaye de se lier les uns les autres. Déjà discuter avec l'autre fille, de faire des choses ensemble. Maintenant, il faut que ça soit... comme l'autre fille et moi on le souhaite, c'est-à-dire que ça soit intelligent, intelligible, que tout le monde comprenne, et surtout que ça soit l'autre fille ou moi, on est des éponges, donc il faut voir dans quel état sont nos pays pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais l'autre fille ou moi, je pense qu'on ne fait pas les choses pour l'argent, on les fait surtout parce qu'on a envie de les faire. Je suis un enfant de la radio, moi, c'est pour ça que je parle beaucoup, mais j'ai tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça a été appris par l'humilité de la radio. La radio, c'est le meilleur média pour devenir un homme, parce que du coup, ça nous force à travailler ce qu'on dit. On est obligé d'être intéressant, alors qu'en télé, il suffit d'être un peu beau gosse. Comme Mourad Zridi, et ça passe. Ma prochaine date en Tunisie, c'est le 28 avril. Et c'était une bonne manière de s'entraîner et de venir. Voilà, maintenant, je suis très rassuré. Et je vais revenir jouer mon spectacle avec grand plaisir en Tunisie. Cap FM, ça me fait plaisir. Je retiens tous ceux qui ne sont pas venus. Sachez que les gens de Cap FM qui ont été là ont été vraiment morts de rire tout le spectacle, n'est-ce pas? Ouais. Absolument, voilà. Et en plus, c'était gratuit pour eux, ce qui n'est pas normal. Donc la prochaine fois, on m'a dit que les Tunisiens avaient de l'argent. Venez et vous serez les bienvenus toujours à mon spectacle. Merci. Merci beaucoup, Yassine.